Madame ? Le nouveau film du metteur en scène et artiste Peter Greenaway, Goldsus et la compagnie du Pélican, est un conte théâtral qui s'intéresse à la relation entre le sexe, les nouvelles technologies et la religion. Le film est librement inspiré de l'histoire du XVIe siècle du peintre et imprimeur néerlandais Henri Goldsus. Dans le film, Goldsus et sa compagnie du Pélican d'imprimeurs et peintres voyagent à travers la cour des margraves d'Alsace. Goldsus, qui cherche un financeur pour une nouvelle imprimerie, propose au margrave un livre illustré de l'Ancien Testament en échange de fonds. Vous pensez que la religion serait un moyen de mettre en valeur la vie, à propos de la procréation, du futur, et de tout ce qui a rapport avec la fécondité. Mais vous savez comme moi que pour la religion chrétienne, le sexe est un sujet très compliqué, avec la Genèse, avec Adam et Ève, comme je le montre dans mon film. C'est donc une critique, si vous voulez, une critique qui est maintenant morte. La plupart des Européens sont athées. Le Vatican se concentre donc sur des territoires où les gens sont toujours superstitieux. Pour les acteurs, qui sont le plus souvent nus à l'écran, le projet était à la fois un rêve et un cauchemar, d'après l'actrice danoise Anne-Louise Alsing, qui joue Susanna, l'une de celles qui tourne les scènes de sexe. A brave man. He serves me well, very well, like a true subject. Like a true subject should. Like all my subjects should. You are one of my subjects. This movie is very special because ce film est très spécial à cause des scènes de sexe et de nudité. Et cela a été un cauchemar, surtout avant le tournage. J'ai donc discuté de ces choses avec Peter longuement, pour mettre les choses au clair. Et en fait, pendant le tournage, c'était un rêve. Greenaway est actuellement en train de travailler sur un film à propos d'un peintre néerlandais. This is the second time that God got it wrong. God cannot make mistakes. The first time was with Noah, when the world had to be flooded.